Vous avez vu des Elden Ring. La suite, maintenant. Et on n'a pas le temps d'introduire plus. On était sur un boss que j'avais pas eu le temps de battre hier soir. On va voir si on a le temps aujourd'hui. Ce serait bien quand même. Prêt? Non, jamais prêt. Moi, j'ai pensé à l'acheter toute la journée. J'ai pensé au jeu beaucoup aujourd'hui. En plus, on n'était pas beaucoup au taf, alors... Alors ça laissait l'esprit vagabonder. Bon, je vais pas me reposer, hein, ça me sert à rien. Non, j'ai zéro. Allez, faut que je reprenne les bonnes habitudes. Donc je prends Rogier, hein, ce petit Roro. Roro le poteau. 2h30 sur le boss, comme ça je me suis... j'ai pas trop de spoil, c'est vrai. Mais c'est ça le problème, c'est que si tu regardes le live, si tu restes là... Et tu es mon modo et mon bras droit, donc tu n'as pas le choix. Et ben, tu vas être spoil, donc il va falloir que tu prennes le jeu et que tu joues en journée, et comme ça, hop. Et après, moi, si j'ai besoin, tu me dis. Salut, Vendis. Hein? Facile, la vie. Attention. Ah non, c'est pas la bonne touche. Oh, le jeu est trop fort. Le jeu est trop fort. Ah, y a pas de start, c'est vrai. Allez, Rogier, fais des trucs. Oh, le jeu est beaucoup trop fort. Je passe dans mon casque, mais pour vous, c'est pas baissé. J'aime bien, je vous la prends. Oh, trop des os, quoi. Mais je pourrais changer mes popos, moi, en vrai. Hein, parce que... Non, pas dans le vide. Je me tire. Non, mais putain, je fais encore cette erreur, cette connasse. Je jette dans le vide. Bon. Fallait que je baisse un petit peu là, je pense, non? En vrai, peut-être pas. C'est peut-être juste dans mon casque, non? Le jeu salé. Franchement, c'est ce qu'on dit. Enfin, je sais pas, c'est ce qu'on dit de ce jeu, non pas spécialement. En plus, pas plus que d'autres From Software. Sûrement moins que tous les autres From Software. Mais en vrai, par rapport à Mario Kart, mais. Mais une soirée dessus, je suis 1000 fois moins salée qu'une heure sur Mario Kart. Franchement, hein. Pour dire que ce jeu sale... Bah après, là, je suis qu'au début, j'avoue. Mais voilà. Faut jouer au vrai jeu, quoi. J'ai pas appelé Rogier. Oh, j'ai pas besoin. À chaque fois, je me porte ici comme une connasse. Ce qui me sale, et ça, bon, ça c'est parce que j'ai bien failli prendre cher à cause de ça, c'est les quelques frises qu'il y a de temps en temps et qui sont vraiment affreux. À chaque fois, j'esquive trop tôt ici. J'ai mis de l'ox des gouffres, mais grave. Craf. Salut Lix. Alors, attendez, faut que je fasse un truc parce que j'ai tellement envie de tout de suite relancer dans le boss que je fais pas ce que je devrais faire. Là, on va faire un truc ultra important. On va... Parce que j'avais équilibré, mais ça a pas marché. Non, mais casse-toi, toi, j'ai pas besoin de toi. Mais non, mais tu vois pas que je... J'ai appuyé trop fort, trop vite. C'est le boss d'hier soir, bah oui. Je reprends maintenant. Non mais non, il lâche sa main, qu'est-ce que tu fous? On a des trucs à faire, s'il te plaît, Lox. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais je voulais pas aller là. Le jeu, il m'embête. Mais attends, mais... Putain, je fais nawak. Je vais être obligée de désinstaller le jeu. Pas le choix, hein. Le jeu est maniqué. Mais non, mais le jeu il m'a emmené n'importe où. Mais non, mais je voulais faire le boss avant. Ah, mais ça m'emmerde, je voulais pas faire ça maintenant par contre. Est-ce que ça... Le jeu considère ça comme une sauvegarde?
Mais franchement, je veux pas faire ça maintenant. Trop de fou. Oh, trop mitiophage. Et trop saoulé aussi. Allez. Ouais, bah c'est bon, là, je m'attendais pas à ça. Oh non, mais non, mais qu'est-ce que je fous là? Mais foutez, laissez-moi partir, je voulais pas venir là. J'ai envie de bouffer le jeu. Je veux pas faire ça maintenant. Je veux pas faire ça maintenant. Écoutez, allez, enchaîne. Et puis elle m'abandonne là, elle me dit tiens, je vais t'emmener quelque part et puis je vais te laisser. Mais dégage. D'accord, bon, je... Ok. Pas... Ah! Mais pourquoi je me fais taper? Je suis pas dans un putain de lobby? Mais dégage, Alberich. T'as encore plus de vie que mon boss que j'essaie de faire, là. Ou si je peux esquiver en tous les sens. Laisse-moi, Alberich. Non mais je veux pas en fait. Je veux vraiment pas. Comment je suis arrivée là? J'ai juste pas mes... Ah, je voulais pas du tout venir là. Je sais pas pourquoi m'a TP là, l'autre pute. Désolée, là c'est vraiment mérité. Mais elle m'a foutu là, elle me dit tiens, démerde-toi. Les PNJ qui envahissent, on monte dans les sous, ça arrive. Non mais, enfin, là... Oh, s'il te plaît, là, au bout d'un moment, je sais même pas comment partir. Ça bug, mais j'en sais rien. J'en sais rien, je connais pas le jeu. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon, je suis retournée. Alors, bon, fous-moi la paix, toi. Fallait quand même que je fasse un truc ici. Alors, attention. On va me parler pendant 20 minutes. Oh, c'est bon. Ah. Allez. Répartir les fioles. Voilà. Voilà, ça c'est important. Oh, est-ce que je peux améliorer? J'ai pas de quoi. En fait, j'ai pas de quoi pour les deux trucs. Ben, voilà. Et ça, au moins, c'est réparti. Parce que j'avais qu'une fiole de mana et c'était naze. Voilà. Là, he's ok, I'm ready. Un PNJ t'a délivré. Ah, en me cassant la gueule. C'est sympa. Je vais dire merci au boss du coup aussi. Vas-y Rogier, vas-y Rogier. Attaque Rogier. Rogier. Rogier attaque. Rogier. Rogier. Ouh. Voilà. Je vais économiser un peu ma mana. Oh mais j'avoue, j'avoue, cherche la merde. Des os, des os. Je me tire. Puis sans cette touche, j'ai fait pas réflexe. Ironique, bien sûr. Ah, mais j'en sais rien, moi je connais pas, vu que je connais pas l'univers, ça peut être vrai hein, ce que tu dis. Oui, bah je sais que je dois pas suivre les gens que je connais pas, mais j'y peux rien dans la vraie vie, j'appuie pas sur A aussi vite. Alors attendez, faut que je vois mes. Ah, c'est bon, mes fioles. Bon, faut que j'arrête de mourir. Allez, Rogier! Ah mais j'en ai peut-être d'autres en vrai. Parce que là bon, je suis un mage et j'ai un mage. Du coup c'est pourri, il me faudrait un tank, faudrait que je teste. Rogier, t'attends quoi? Rogier! Rogier, t'attends quoi? Je l'ai pas invoqué, c'est ça? Je suis pas là. Non, je l'ai pas invoqué. Je l'ai pas invoqué? But how? Thank you.
Ah, j'ai peut-être pas appuyé sur Y. C'est le genre de truc que je fais, ça. J'ai pas appuyé sur Y. Oh non, pas ça. Bon, c'est pareil. C'est pas pareil, mais c'est important, les deux. Mais je change d'arme. Par contre, il faisait quoi, Rogier? Pourquoi il m'a lâché comme ça? Alors oui, on m'a dit que je peux en faire depuis mon inventaire des invocations, on va tester. En vrai, il est pas si... Je vois bien qu'il est pas dur, hein, que c'est moi qui galère. Je vois bien. Rogier. La place, pourquoi pas, oui. Oh bah c'est gentil. Alors, attendez. Comment on fait les invocations? On se doit pas être... Hein? Inventaire. Ouais, je vois pas d'invocation là. On m'a dit des sottises, hein. Ah, mais j'en ai peut-être pas encore. Moi, c'est ça, j'ai que des WAD, moi. J'en ai partout des doigts, par contre. Partout ailleurs que sur mes mains. J'imagine que j'en ai pas. Ah, j'ai dû faire B tout à l'heure. Ah, un chargement pour invoquer un PNJ. Allez, Rogier, on s'y va. Rogier est sorti. Une bière que j'ai croisée, mais qui n'est pas à chuter. Oui, la fonce est abusée. Je garderai. Faut que j'arrête de tomber dans ce gouffre. Le nombre de morts. Ah, juste à cause du gouffre, il va falloir que. Alors j'ai fait B encore, mais oui. Mais c'est à cause de la manette Switch. Hein. C'est, vu que c'est inversé sur manette Switch et que c'est exactement la même forme de manette en dehors de ça. Ah ouais, c'est pas un jeu gourmand hein, par contre. Hein. Y grisou. Ah non, mais... Rogier, il va taper Rogier, il t'a tapé Rogier.
Il a buté Rogier, espèce d'enfoiré. Tu visais vraiment juste de spammer ma magie, hein. Pourquoi je m'emmerde à chaque fois à mettre au cac. Ça sent la rage, ça! Ta loose, c'est tout! Oh, ça sent la rage! J'ai eu des runes? Ouais, j'en ai 9000! Oh, j'en ai trop plein! Ok! Va monter de niveau. Bon, l'autre, elle va m'embêter. Ah non, c'est bon, il me faut la paix. Moi, c'est cool. Mettre de l'intel. Moins un point. Déjà, je mets ça. Il me reste 6000. Je vais mettre esprit. Je vais mettre un peu. J'hésite. C'est quoi déjà la dextérité? Pourquoi j'ai de la dextérité moi? En quoi ça me sert? Pourquoi mon perso a de la dextérité? Je comprends pas. Explication. Attribut nécessaire au maniement d'armes avancées. Qu'est-ce qu'ils appellent les armes avancées? Est-ce que mon... Ah oui, c'est ça, je vois D1 et D2. Ah, mais ça m'aide au maniement de mon bâton. Ah oui, mais si je mets des coups de bâton. Pas si je donne des... Si j'envoie du sort, si. Message. C'est moi, je vous aime pas. Bah, je peux voir la différence en fait dans les stats. Atténue les dégâts de chute, vous rend plus résistant au désarçonnement. Réduit la durée d'incantation des sorts, mais oui, ah bah ça c'est bien en fait. Je prends. Il m'en reste 3600. Je vais en mettre là-dedans. Et je pense qu'après, si je mets dans force, est-ce que ça me... Non, rien. Non, quoi. J'ai eu ma grille, DJ, merci. J'ai fait des sorts, je pense. J'ai flip and do dans... Voilà. Un petit peu mal au poignet, mais en fait, ça va. Quand on a pigé, is ok. Découverte, c'est bien, non? Ah... Un petit point d'ex, un petit point d'esprit, en tel. En esprit. Voilà. Ça me semble bien ça. Ça c'est super ça. Merci beaucoup. Ah mince, c'est la battue boss, je fais quoi? Moi j'arrête de regarder stream et j'écoute seulement sa voix. Te va lancer le DL du jeu hein. Du coup, comme ça, tu pourras jouer en même temps et puis hop, ça sera le bonheur. 10 euros sur PS4, c'est vrai que c'est beaucoup. J'avoue que moi, j'ai eu à 40. 40. 45. Non, 49. 48. Oh, un truc comme ça. C'est vrai que 70 poules quand même. Quand même, c'est des petits filous. Hein. Tu vas rouler sur le jeu, mais bien sûr! Je vais rouler, mais en roulade en fait. C'est ça, littéralement ça. 45 sur un centre gaming, ça devait être ça. Après, t'as peut-être des clés PS4 sur un centre gaming, petit grisou. Eh, je suis contente, hein. Franchement, je suis contente. Je vais arrêter là le jeu. Bah. Non, ça me va pas hein, de l'arrêter maintenant, évidemment que non. J'ai envie de faire trop de trucs. Là, j'ai envie de voir si je peux descendre là. Oh, mais je pourrais remonter après peut-être. Ouais, je pourrais remonter après. Oh, je pourrais pas remonter après.
Je pense que ça se tente. On trouvera bien un moyen. Voilà. J'ai pas encore eu de chute non fatale, du coup je m'en rends pas compte d'à partir de quel moment je prends cher et à partir de... Ah d'accord, je peux pas. Oh, oh et... ouais. Oh, d'accord. Pas grave, je suis dans un petit coin sympatoche. Comment je remonte alors? Ah bah je vais redescendre, je crois. Oh, par contre, un matériau que je ne connais pas. Lys de Trina. Je sais pas encore ce que je peux craft et tout. En plus, il y a l'autre qui est intervenu, qui m'a envoyé dans un monde étrange. C'est pas le moment. Mais ça avait l'air d'être un endroit où je peux faire plein de trucs. Oh. Oh. On peut descendre un peu plus. Oui, mais voilà, définitivement quoi, la descente. Hein. Il faut que je remonte après. D'accord. Ah, mon destrier, mais c'est vrai que j'ai... Attendez, j'ai un poney. Je sais plus comment on le fait. C'était un banchion. C'est genre Y. Ça veut pas. Pourquoi ça veut pas? Pourtant, on voit clairement l'anal à la droite. Hein. Ouais, tout se taper à pied parce qu'on est dans une cour de château et que ça se fait pas, c'est ça? Franchement, vu la gueule du châtal, peut-être se passer des convenances. On a essayé de me buter en plus. Ça rend moins convenable. C'est pas convenable. Utiliser un remède des doigts crochus pour révéler des marques d'invocation des joueurs d'autres mondes. Les marques dorées représentent des alliés, les rouges des adversaires. Dès que vous lancez une invocation, un petit joueur débute. Mais ça, je sais, tu m'as déjà dit. Remède des doigts crochus. Ah oui, d'accord. Remède. J'ai le doigt crochu, maintenant j'ai le remède. Tranquille, je laisse moi tranquille. Pour que ça sauvegarde mon petit remède. Mon petit remède de Didi. CDK, c'est playable comme si. CDK, j'avais pris des trucs, j'avais pas eu de soucis. J'avais pris 2-3 trucs max, un peu. Donc c'est pas, voilà, c'est pas sur la durée, mais j'avais pas eu de soucis. You there. Come over here, would you? Tu viens me taper? Eh, j'ai sauvegardé, je m'en tape. You're tarnished, aren't you? Éclat, pas sans écras. Château. It's tightly guarded. Et fermement gardé par des soldats. Ayez plutôt ce passage là. Le trou. Les gardes ne savent pas de ça. Ils sont nés. Vous brisez le castle. Pour ainsi protéger. J'en ai vu. Connu. Non, j'emprunterai l'entrée principale. D'accord. Yes, that's the spirit. Excellent. Décision. Je prierai. Très bien, bah je vais faire confiance aux morts. Oh bah en plus il y a du loot. Une rune en. Oh une rune en. Je saute avec A. Du caillou. Une rune et des cailloux. On va faire le caillou. Eh, c'est beau, hein. J'avoue, bon, je disais pour Dying Light, mais c'était sa seule qualité intrinsèque. Mais là, là, c'est pas que ça. Mais en plus, c'est beau. J'ai entendu un truc. J'ai entendu. Ah mais voilà, j'ai essayé de le viser, ça mettait ma cam vers... Arrête. Oh, j'ai esquivé pourtant. Ah, ça me saoule, j'ai essayé de le viser, mais à chaque fois ça me faisait... Non, retourne la tête, regarde en face de toi.
Ouais, mais sur Steam, Infernalou, il n'y a pas de souci pour trouver les clés. Le problème, c'est pour en trouver une un peu moins chère sur PS4. C'est ça le souci de Grisou. Où je reparle ? Ah non, j'ai pas besoin. Ah non, je lui dis non. Ah, je lui dis, hey, j'emprunterai la porte principale. Mais en fait, c'est pas en regardant comme ça et en prenant exactement la route qu'il m'a dite. Non, j'irai par la porte principale. Maintenant, je vais me cacher sous. Parce que je suis un peu flippée quand même. Ok, ah, il y a mes runes. J'en ai pas beaucoup, hein. Et 62, ça va, c'est cadal. Il est où le piaf? Ah, voilà. Oh, j'esquive bien, hein. Non, pas du tout. Vraiment très mal. Arrête là! Toujours pour faire les albatros. M'énerve. Ça fait longtemps, tiens. Ça fait longtemps. Ok. Oh, mais en plus, il y avait un toucher ici, quoi. Du coup, faut que j'aille par là, mais j'ai envie aussi d'explorer par là. Est-ce que je peux monter par le petit caillou? Ça va être légèrement trop haut, je pourrais pas, je sens. Oui, c'est légèrement beaucoup trop. Non, tais-toi! Ted. J'ai un petit champi. Oh, bouclier de cuir. Hein. Je dis jamais un boubou. En même temps, bon, le but c'est que je sois pas trop au cap, quoi. C'est aussi pour ça. J'ai utilisé un peu trop de magie, c'est dommage, mais bon. Enfin, si je réagis plus vite, je pense que je peux le tuer avant qu'il ait terminé son. Mon truc. Et ce serait pas mal. Oh putain! Ah, ah merde! Au pire, celui-là. Hein. Nawak. Oh non, le loot il est tombé. Bon, je prends mon épée, je vais arrêter de bousiller tout. Je vais arrêter de taper aussi dans le... Moi, le premier truc que je fais quand je vais dans une pièce, je regarde les murs. Je regarde pas l'intérieur de la pièce, je regarde les murs. Alors... Ah non, je peux admirer les murs. Je crois que je devrais éviter de faire ça, parce que je suis sûre que ça peut exploser. Sûr, hein. Moi, je pense que c'est un risque. Là, par exemple, ça peut exploser, ça, regarde. Hop. Ça peut exploser. Là, c'est un risque, et en plus, il y a de la fumée qui sort. C'est risqué, hein. Indéniablement risqué de faire ça. Oh, mais je peux faire des coups furtifs. Pas le tour du tout.
connais. C'est pratique. Ça va. Ok. Là par exemple, c'est le skit. Je fais ça, c'est ça. Ok. Ok, ça peut exploser. M'énerve là! Oh, c'est un beau cadavre, il brille. Ok, je monte. C'est risqué ça. Ah, voilà, ça a explosé! Je savais, hein. Là, je vous avais vu, j'ai pas fait n'importe quoi. Zut. Lui est dead. Yo JM! Voilà, je vais taper que là-dessus. Voilà. Le reste, je vais laisser. Meilleure idée. Comment ça, ça brille là-bas? Je te vois, toi! Plus de vie, j'ai plus rien. J'ai des dates de lancer. Par contre, j'ai des super sorts. Oh. Bon, attendez. Oh, ah, j'ai plus que ça. Je crois que j'ai plus qu'une de chaque. Ah non, j'ai un petit peu de magie encore. Ouvrir pas tout de suite. Je vais avant looter. Je vois, mec. Hein. Je vois trop, en fait. Ah, il va tout faire exploser. Un papillon. Bon. Je sens que je vais m'enfoncer et que je risque de mourir. Je vais essayer d'ouvrir avant. Ah, ah non, comme ça. Ah, c'est verrouillé. Bon voilà. Non mais je veux... Attaque là. Mais en fait, ça risque rien tant qu'il m'envoie pas des bebons. Il exploserait de toute façon de base. Gâcher de la mana pour rien. Le truc là. Des runes encore. Punaise, j'ai trop de runes. Faut que je trouve un. Je trouve un feu de camp. Ah, un campement plutôt. Oh, il y a un trou là. Vas-y. Non, je veux pas. Y'a un gros méchant là. J'entends des pas lents et sûrs de lui. Sur deux plutôt. Ouais, des pas sur deux. Bon, ça veut pas dire grand chose, vous avez compris l'idée quoi. Mais je suis trop strong. Bah, je vais essayer d'ouvrir là. Je vais mourir, je serais trop deg. C'est affreux, on l'entend mais on le voit pas. Oh, cinématique. Oh, regardez, regardez. Regardez, trop foufou. Arrête, 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 arrête. Il va m'éclater tellement. Décédé.
supprimé le multi, je l'ai désactivé. Je n'ai pas supprimé, ne t'en fais pas. Ah! Vachement loin, hein! C'est pas grave! Je vais retourner au feu. J'avais trouvé des runes? Attends, j'avais trouvé des runes en fait. Pas des runes. Mais. Des graines dorées. Comment ça? Ah bah je les ai trouvées qu'après. Oh, ça fait longtemps que je joue alors. Est-ce qu'il fait ce pareil? Non. Supprimer, c'est une notion beaucoup plus définitive. Non ! J'économise ma marge. Non, il est tombé. Arrêtez d'insulter. Il est tombé ce petit hurlu-berlu. Je vous ai trop vu, vous. Moi, je voudrais des bombes. Ah. Non, je t'y connais, ça va. J'ai tellement failli crever, là, sur mon geste. Oh, t'es bien? Oh, t'es malin? Ah! Trompé de touche. Nous en bas, j'ai pas besoin de le faire parce que du coup j'ai déjà loot. Ça c'est ouvert. C'est chiant. Un zéro mana quoi. Encore j'étais un sort, je pense. Ah non, pas du tout. Non ! Trompé. J'ai envie d'y aller. Super. Je m'emmerde à faire ça, moi. Ok. On va voir si je fais ça. Trop vénère! Je repose 2 minutes. Oh, plus que ça, quoi. Oh, j'ai pas récupéré! Faut que j'aille dans la salle récupérer mes trucs? Je les ai récupérés? Mais non, je les ai pas récupérés. Ah! Je les vois pas en fait, y'en a pas? Là! Ah, c'est dommage. Je suis morte au pied de... C'est long de se refaire tout ça, par contre. Ça
sert à rien d'utiliser de la magie pour rien. Ouais, un peu nul comme économie. Pas très économique. Bon. Il m'a mis devant la porte, c'est sympa, je comprends pas du tout du coup. J'ai un peu paniqué là, j'avoue, je panique. Ok. Pas de dos là. On peut essayer de l'avoir de dos. Peut-être. Peut-être. Attention. La tête dans son huc. Oh, ça lui a vraiment pas fait grand chose. Oh la vache. Mais du coup voilà, là c'est un plan nul ça. Bah oui, c'est un plan de merde. Je vise plus. Vise-le s'il te plaît. Vise-le plus, s'il te plaît. On va partir. On va partir ce heal. Alors. Salut, rêveur lucide. D'accord. Merde. Prendre des trucs, mais là, c'est chaud. Mais tellement comme, comme quelqu'un qui n'a ni foi ni loi. Ok. Talisman d'épée courbée. Verrouillé. Ça, c'est pour ouvrir la porte qui est en dessous. J'hésite à revenir au spawn, enfin au spawn, au campement pour régen et y retourner après. C'est peut-être mieux, hein. Là j'ai plus rien. J'ai des trucs mais... C'est pas fou quoi. Lui a l'air difficile. Écoute, moi j'ai testé une soirée Dark Souls. Et j'ai pas du tout eu envie d'y rejouer.
Notamment à cause de cette sensation de jamais savoir si là où tu vas, bah tu veux juste te faire latter la gueule sans raison ou pas. J'ai pas cette impression avec celui-là et très franchement avec le perso que j'ai pris, je trouve que le jeu est quand même pas mal plus accessible. Après, moi, j'ai quand même galéré 2 heures sur un boss facile. Mais très franchement, oui, il est difficile. Mais pour le moment, en tant que débutante, je le trouve quand même accessible. Voilà. Parce que j'ai pris un perso qui fait rager tous les pros de ce type de jeu aussi, hein, je pense. Et moi, ça va, je vis bien. Pas qu'une seule c'est vrai qu'il n'y a pas qu'une seule façon d'avancer et Grisou, typiquement, voilà, petite suggestion, quand tu auras le jeu, si tu finis par le prendre, ce qui devrait quand même t'arriver, n'hésite pas à passer par la porte principale. Ça peut être intéressant. Pour voir quoi, l'expérience, un petit peu le... Voilà. La recherche quoi. Montée de niveau, je pense que je peux pas de toute façon, mais je vais quand même vérifier. Non, je peux pas. J'ai 1600. Par contre, fiole, je pense que je peux améliorer mes fioles. Non. Mais j'ai pas... Mais les graines dorées, en fait, on les perd. Les graines dorées. Ah bah non, je les ai déjà utilisées. Oh, je sais plus, désolée. Je sais plus rien. Alors, le petit rip-up. Oh non, zut. J'ai gâché de la magie pour rien. Ah merde! Je me suis trompée de touche. Ok. Non mais c'est bon, je recommence. Je me suis trompée de touche. Je sais pas pourquoi, des fois j'ai des petits rappels du passé. J'ai eu envie de boire de taper avec X. Et du coup, ça a commencé à boire ma popo. C'est tellement un bind logique, je trouve. Alors après, voilà, j'avais essayé de rebinder dans Dark Souls 3, j'ai bien vu que valait mieux éviter de faire ça. Mais j'avoue que c'est pas... Tu perds ! Je me tire. Je suis en train de gaspiller, ça m'énerve. Non mais c'est bon, ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé, c'est bon. Avec d'autres jeux plus accessibles, je joue en facile. Ah effectivement, après je sais pas, voilà, faudrait comparer comparer les jeux. C'est un From Software, donc c'est le genre de jeu qui va récompenser la persévérance. J'arrive, il veut pas. Non mais d'accord, mais c'est affreux en fait, j'arrive plus à rien. Je veux absolument économiser le plus possible. Et au lieu d'économiser, je galère. Du coup, je vais arrêter de faire ça et je vais faire comme je faisais avant. Voilà. Tant pis, je vais gâcher un peu de magie, mais c'est pas grave. Mais en fait, il y a aussi un autre truc, c'est que, bah voilà, je sais jamais quelle touche m'accroupit et laquelle me... Et à chaque fois, je suis au bord, du coup. Voilà, laquelle vise. Depuis tout à l'heure, je m'accroupis au lieu de viser, je vise au lieu de m'accroupir, ce qui est nul. Là, je vise. Mais viennent quand même, les autres, ça sert à rien. Ah ? Voilà, j'ai encore voulu m'accroupir et j'ai visé à la place. Il y aura lui. Voilà. Là, en faisant comme ça, j'ai bien économisé, je trouve. On me vise, quoi. À la limite, je m'en fous. Nya. C'est la porte qui est juste en face, de toute façon. Donc on va quand même s'occuper d'eux. Oh non, j'avais pas besoin. On veut trop.
Je peux pas tout détruire, quoi. Je joue astrologue, tout à fait. Un peu le mode facile. Faut dépurer des Dark Souls, Leslie. Se regorger de leur skill avec les persos. Ils disent, tu veux, bah oui, oui. Perso, je regrette mes choix de perso vu que j'avance pas. Ouais, mais c'est ça en fait. Moi, je comprends hein, qu'on aime, surtout quand on est fan de ce genre de jeu, qu'on aime cette difficulté et tout ça, et qu'on a envie de s'en donner. D'ailleurs, le jeu te donne la possibilité vraiment de galérer en te donnant un perso qui est nul et même et te laissant prendre un item super nul aussi. Oui, mais j'ai utilisé la clé rouillée, oui. Bon, merci. Donc voilà, si on veut galérer, on peut. Mais effectivement, moi j'aime bien le fait d'avoir le choix d'avoir un perso qui te rend le jeu quand même un petit peu plus faisable. Et de ce que je m'étais renseigné, c'est le cas de l'astrologue. Et pour le moment, effectivement, ça semble être le cas. Le perso... simple. For the beginner. Faut que j'arrête de... RB. Bon alors, là-bas, il y a ça. Par là-bas... difficile de savoir par où passer. Surtout que j'ai pas eu de... j'ai pas de feu. De feu de camp, en fait, de campement, du tout. On va essayer lui de le... ouais, ah mais je vais sauter, il va me voir. J'aurais dû m'en douter. Je te vise comment? Non, comme ça. Bon, je vais jamais pouvoir aller là-haut. Non, je saute vraiment pas assez haut. Mais comment je vais pouvoir... déçois. Je saute pas assez haut, du coup je l'ai dans le huc. Faut que je cours. Pas beaucoup plus haut hein. Non, on saute pareil en fait. On saute totalement pareil. Enfin, faudrait peut-être que je passe à droite. Bon déjà on va voir là-bas. Graisse incendiaire. Un gang, un Uber. Ah oui non. Jamais je l'ai mon loot moi. Oh attends, je suis pas prête. J'ai de le viser. Ça me stresse, je bois une popo. C'est un peu gâché mais tant pis. J'avais peur de pas avoir le temps de charger mon sort. C'est pour ça que j'ai fait à l'épée. D'accord, j'ai compris. J'ai compris, c'est trop chiant. Vous êtes juste pas fun. Moi non plus, je suis pas fun. Voilà, la mort du fun pour nous tous. Voilà, super hein. Mais où je vais là? Hey, j'ai eu un truc. Ah bah oui, c'était... ok, d'accord, c'est ce truc-là. Un marteau. Je m'en fous un peu, mais... mais ok. Oh, oh là là, vous avez vu? Je peux y aller. Mais ce serait con. Moi, j'irai en fait. Je vois même pas d'issue là-bas. Non, mais venez, on y va pas. Non, venez, on y va pas. Quand on aura trouvé un feu de camp, on pourra faire Nawak. Magie. Les idées auront un peu plus de génie. Ah non! Oh, t'es trop mort.
Mais en fait, je vais pas aller là, moi. Zut, je l'ai alerté. Oh, il va lancer des trucs. On verra ça plus tard. La valisienne est vraiment une... Elle est quasiment partout. Si tu vois un truc, tu peux... Ouais, si tu vois un truc, c'est que tu peux l'explorer, mais complètement. Et puis en vrai, bah... C'est pas labyrinthique pour autant, je trouve. Là où par contre, pour moi, Dark Souls 3 était vraiment labyrinthique. Enfin, j'avais cette sensation. Là, pour le moment... Elden Ring, j'ai pas ça. Bon, du coup, j'ai fait toute cette partie-là. Je sais pas comment aller là où je voulais aller, mais... Ah, il me reste une popo. Les trous, c'est pas simple, quand même. Un petit paravoile, là, ça serait... L'époque, ouais, avec ce style de vêtements, c'est chaud. À l'époque d'Elden Ring, celle avec les morts vivants, les squelettes et tout ça. Ouais, cette fameuse époque. Ah, je me suis trompée. Arrête! J'ai glacé, mais j'ai pris cher, ça m'énerve. Il faut que j'aille chercher mes runes. Non, mes âmes. Pourquoi je dis runes, mais ça... Pas du tout ça. Mais oui, en fait, à l'époque... Mais ça me fait rire, on dit souvent à l'époque... À l'époque, pour les trucs un peu d'Heroic Fantasy. Et ça me fait rire. Dire à l'époque. Bah. Arrête. Bah, en vrai, là, le truc qu'il porte, c'est du tissu. Hein. Moi, j'ai pas de... Oh, ma tête, elle est toute bizarre. Je me suis pas fait comme ça, hein. Je passe autant de temps à faire ça. Voilà, là, je suis pas en armure et tout, hein. Hello, Matrix! J'essaie de le 1 à 10, où la souffrance? 5. 4. Non, mais franchement, pour le moment, comparé à une soirée Mario Kart, c'est très léger, hein. Merde, j'avais oublié. Non! Voilà, pas envie de gâcher ma magie sur toi, machine. Ouais, c'est une femelle. C'était, il y a un souci là. Mais oui, elle était pas comme ça avant, on est d'accord. Bon, d'accord, elle est abîmée parce qu'elle a. Mais elle est toute. Elle a des reflets chelous. Et pourquoi. Voilà, pourquoi elle a plein de trucs sur la gueule là? Parce que je tue des gens, je pense. Mais après, voilà, je renie pas du tout la difficulté du jeu. Mais pour le moment, étant au début, j'ai joué l'équivalent de 5 heures maintenant, 5 heures presque 6. Ça va, hein. C'est de la persévérance, mais j'ai encore rien vu où je me suis dit, dans ma progression encore une fois, où je me suis dit jamais je vais y arriver à... Jamais je vais y arriver, jamais je vais le battre. Finalement, quand je fais pas d'erreur, bah ça se passe bien. Pas de grosses erreurs. Truc horrible.
Il rattrape. Bon, là par contre, ça fait très longtemps. Et ça, c'est ça qui me fait un peu flipper. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu un checkpoint. Et du coup, je balise un petit peu de. Parce que là, on arrive dans une zone quand même. On arrive en hauteur, en haut d'une tour, machin. Ça sent un peu la zone de boss quand même. Et voilà. Ou de semi-boss comme celui-là. Sauf que bah lui par exemple j'ai pas envie de le tenter si j'ai pas un point de respawn pas loin. Et là mon point de respawn il a l'air ultra long. J'ai même pas vu de petite statuette comme pour... Bah, qui ne sert pas de campement mais au moins d'endroit où on peut respawn pas trop loin. Ah lui j'ai pas envie de le tenter maintenant. On va avoir le choix hein, mais bon. J'avoue. Oh, ça me rappelle un certain mob. Il va sortir. Oh, d'accord, il sort comme ça. Je peux tenter le creep. Oui. Ah, ah. One shot. J'aurais pas dû tenter le deuxième coup. Ah, c'est risqué, hein. J'avoue que c'est risqué. Est-ce qu'il y a quand on regarde pas ce qu'on écrit? Bah oui, moi j'ai lu hein, ce que t'as dit, mais je me suis dit, bon. Je pense que c'est un petit peu trop de faute de frappe pour que je puisse comprendre. C'est Balzi. Ah, Balzi, pardon. C'est Balzi, oui, tout à fait. D'accord. Oh merde. Voilà, c'est ça, et voilà le... Je meurs sur ces mobs. C'est bon, j'ai compris. Alors là, par contre, je suis un peu le seul. Moi, c'est bon, 200 trucs, ok. Un petit peu dommage. Ça faisait trop longtemps que j'avais pas eu de... De trucs. De feu de camp. Allez! Du coup, je fais full magie, ça me saoule. C'est bon? Vous allez fermer vos gueules? Bordel. Bordel de rectum! Je ne dis pas, ça m'agace. Plus de manie, de magie quoi, de mana, de magie, de manie. Je sais pas pourquoi mais ça s'est mis à écrire à l'envers. Alors... Ah oui. Attends, ça mue. Non. Oh. Les dégâts de chute sont ultra permissifs, punaise, par contre ça je savais pas. J'ai encore fait B pour m'accroupir sans raison. Je sais pas pourquoi je fais B pour m'accroupir. Mais oui, ça écrit vraiment à l'envers. Mais t'as pas fait exprès de faire ça. Genre c'est possible que ton PC te dise non, mais tiens, je veux faire ça, c'est marrant. J'avais pas oublié. Ah oui, il y avait toi après. Et après j'ai la tour, ok. On va voir. J'ai un peu fait une invocation mais j'ai rien compris à comment faire alors je vais pas le faire. Je vais venir jusque sur le bord.
J'ai pas toute ma vie. Là, je me tire. Non ! J'ai plus de mana. Non ! Je suis tellement sur le fil ! Je cherche la merde ! Allez. Toi au moins donne-moi des rues, des trucs, des âmes là, parce que je fais n'avoir qu'à cause de toi. J'ai tout pété d'ailleurs. Voilà. Ouais, c'est une petite rébellion, il y a des trucs qui se cassent pas, ça m'énerve. Niqueur rebelle. Bon, je vais éviter d'avancer trop, on va plutôt monter. Kenny, mais ne bouge pas. Ne bouge pas. Bon, en vrai, je suis sûr que j'ai pas du tout besoin de prendre d'élan. Ok, sans dire. Mais ça, j'utilise pas. Mais je dois utiliser ça, hein. Ça, c'est ça qui explose. Moi, je m'attendais à avoir grenade, bombe. En fait, c'est truc incendiaire. Mais oui, je devrais un peu plus tester ça, moi. J'ai peur de m'en mettre plein ma propre gueule. De trucs. Oh oui! Je vois toi! Ouais! Ah. C'est bon, on a le checkpoint! Un petit repos, ouais, bien sûr, ouais. Donc je peux pas du tout faire grand chose. Ah non, je peux plus faire grand chose. Coffre! Qu'est-ce que j'ai là-dedans, moi? Consommable. Enduit rapidement l'arme et lui confère des dégâts de feu. Enduit l'arme et lui confère des dégâts de feu. Ah ouais, mais ça m'intéresse que moyennement quoi. Est-ce que ça marche pour Je pense pas. Non bah non, ce serait assez logique que ça ne marche pas pour un bâton. Voilà, c'est plutôt. Eh, le climat est sympa dehors. Trop beau. Ça rappelle très Dark Souls, quand même. Le décor, je vais dire. Oh, c'est au spawn. Ah, là, ici, je peux tirer un truc. Ça bouge pas. On va monter encore. Il m'a pas vu. Si je me retourne, il me voit pas. J'ai visé le mur. Ah. Arrête. Ah oui, d'accord, je fais R. Attendez. Attendez. Hop, hop, hop. C'est nul. Y'a quoi qui fait du bruit là? Y'a un truc qui fait du bruit là-haut. Ça m'oppresse, hein. Qui fait du bazar enfin? Ah bah c'est toi. J'ai peur de pas savoir comment passer et je risque de mourir. Ah peut-être ici. Oui. Avant je vais vérifier s'il y a des trucs. Bah ça aussi c'est un passage en fait. C'est plus un viratique déjà. Chiant, je suis coincé. Mais je voulais aller là-bas. Faut que je passe ici, c'est ça? Non. Je voulais pas que je passe ici. Les dégâts de chute aussi, ils sont vraiment permissifs, ça c'est très cool.
Je crois que j'ai rushé pour les invoques. On va déjà avoir de quoi. Mais t'as changé de zone. Faut explorer beaucoup plus. Faut explorer beaucoup plus. Bah là j'explore beaucoup là. J'ai toutes les salles et tout. Là j'explore tout hein. Mais bien sûr, faut que je tape contre le mur pour le dernier coup. Putain! Oh, mais il y a du monde! Non, pas toi. Voilà. Ah, ok, je vais prendre peut-être. On va se refaire un petit look. Un petit look en. Ah, des runes! Des viandes! Même si bon. On va abandonner peut-être ce swag. On va voir. Équipement. Pas équipement. Équipement. Oh, c'est plus nul partout à peu près. Bon, d'accord, on va changer. Super! Bon, bah d'accord! Bien avant. Pesa avant de combattre Magritte. Ah ouais, je sais pas. Vu que le jeu m'a emmené naturellement là, je me suis dit oh. Bah ça va être par là. Vu qu'en plus, juste avant, je débloque ma première carte et tout. Je trouvais ça logique de rentrer. D'accord, d'accord, d'accord. Oh, nar. Là, je suis bug là. M'énerve. Oh, je peux pas passer. Bonsoir, Yoga Stevie. Vraiment, l'open world a fouillé. Ah, ok. Ok, bah, je verrai ça plus tard. De hein. Toute façon, on va pas sortir maintenant. De toute façon, c'est pas grave, on a rogié. Moi franchement je pense que c'est un peu le plus quitté. Ça paraît très évident. Il y avait un truc à faire, pas de par ça, il y a un escalier. Ah oui, bah, il y a un escalier jusque là. Oui d'accord, c'est tout. Hein. Ça m'énerve. Alors. Alors bah je sors. Voilà. Non pas. Hello Black Queen. Et salut Rio. Excuse-moi. Bonsoir les sans éclat. Peut-être sans éclat mais je suis brillante. Le qui est un oxymore je pense. Même. Je veux pas de petits couteaux. J'en ai pas besoin. Là aussi, j'ai un peu pété des trucs. Un pur instinct destructeur. Voilà. Ça m'apprendra à avoir un instinct destructeur. Est-ce que là... Question importante. Est-ce que je... Est-ce que mes quelques âmes seront en bas ? Ni par battre Magritte, j'ai tout à fait. Ça va en fait, j'ai pas mis trop de temps. Maintenant, voilà, après avoir recommencé pas mal de fois hier. Là, ça allait. Faut que je vois si ça brille en bas. Ça a pas l'air de briller, hein. Normalement, elles seront en haut. Ok. Alors j'étais plus haut quand je suis tombée. Donc on va voir si elles sont plus haut. Quoi? Mais je veux pas jouer à... Ah non mais c'est vrai il y a des méchants. J'ai oublié. Ah
du coup j'ai peur d'y aller maintenant. J'ai fait comment la première fois pour passer si facilement? C'est par là, c'est ça? Ah, j'ai eu peur. En vrai, j'en ai pas tant que ça, j'en ai 1500. Hein. Du coup, faut que j'en fasse pareil. Ok, ok, c'est bon. Is ok. Par contre, ah oui, ben non, mais je crois que j'ai fait tout le haut, donc on va redescendre. Mais le truc, c'est que je sais pas comment activer les mécanismes. Est-ce que je loot un truc sur un mob que j'ai pas encore tué? Est-ce bleu si peau seulement? Ou alors je sors, hein. Pire. Il repos. C'est une belle découverte, merci beaucoup! C'est gentil, salut Gaël! Ouais, ouais, mais j'explorerai l'open world. Hein. De toute façon, c'est ce qui me donnait envie, c'est juste que... juste avant, il y avait l'endroit où j'ai découvert la carte et tout ça. Je me suis dit, bon, le jeu, il a l'air de vouloir que j'aille ici. Je vais peut-être faire déjà ce donjon et j'explorerai un peu plus tard. Bon, j'aurais peut-être dû faire l'inverse. J'aurais peut-être dû explorer avant. Mais je vais explorer. Ah putain, il va me lâcher le bon. Oh là là, j'ai esquivé ton feu. Ah, j'ai pas esquivé de tir. Pas deg. Bon, moi, je suis deg. Mais c'est du cheat ça au bout d'un moment. Bah oui, moi je m'en attache sur les cheveux et puis je secoue la tête et puis ça pique. C'est pareil. Des épées scotchées quoi. Bah tu veux autre chose en même temps. Peur. Non mes trucs. À 1500 hein. Voilà, je vais pas le viser, je vais rêver. Arrête! Mission! Oh, j'ai un remige. C'est ça? Remige. J'ai vu un. Il y en a un autre. Qui le tue, va. Aussi que je crafte des trucs et tout là. Je vais ici. Je recule un peu. Enfin, je voulais pas reculer, je me suis. Est-ce que je prendrais pas une petite popo? Moins de vie, peut-être. Oui, je pense. Non, pas maintenant. C'était ma conversation avec moi. Les pires ennemis, c'est les machins volants. Je déteste. Ah, moi, ça va. Comme celui-là, doivent être activés. Oui, non, mais non, me dis pas, en fait. Je veux pas qu'on me dise comment résoudre les énigmes, les amis. On me donne des conseils de gameplay, pourquoi pas. Mais qu'on me dise, pour résoudre cette énigme, il faut que tu fasses ça. Là, c'est pas très intéressant. J'ai essayé de pas trop lire, mais voilà. Kamikaze épéiste, j'adore eux. Rôle de créature. Qui leur a scotché ça? Ces pauvres machins. Bon, bah, va falloir que j'aille récupérer encore. Là, je peux le viser d'ici, en fait. Je m'en mets. Ah, il panique. C'est bon, calme-toi, c'est réglé. Non. Là par contre. Là c'est chaud. Tant pis. Ça pour une ligne, désolé. Bah en fait, oui. En fait, c'est à partir du moment où le jeu te bloque à un endroit sans te dire comment résoudre le truc, c'est que tu dois trouver toi-même. Du coup, bah à partir du moment où je cherche quelque part, ou alors vous me le dites, enfin,
Je cherche que je veux pas. Je veux pas, mais voilà, à partir du moment où vous me dites, bah c'est du backseat. C'est-à-dire, énigme ou pas, en fait, c'est du backseat, hein. Mais ça, bon, vous êtes sur Twitch depuis assez longtemps pour le savoir, quand même, hein. C'est de la logique, non? La vache! La vache! Bon bah j'ai toujours plus de trucs. Je peux pas faire exploser ce qu'ils ont en dessous d'eux là, en dessous eux. J'ai pas fait le jeu. J'ai d'autres jeux à finir. Oh, moi aussi. J'ai 15 en même temps. Après qu'au JO de 1900, il y avait une épreuve de tir au pigeon. Tout à fait. Qu'est-ce que ça vient de tir au pigeon? Qu'est-ce qu'on va faire là? Non. De la cruauté inutile envers des animaux qui n'ont rien demandé. Tiens, tu t'es suicidé. Nulos, va. Mais on perd des objets en vrai quand on meurt, non? Parce que bah moi j'avais des graines que j'ai plus définitivement, je crois. Hein. Pas trop, hein. Tous les ascenseurs bloqués depuis Demon's Souls marchent comme ça. Ouais, mais moi j'ai pas joué à Demon's Souls. Bah, à savoir comment ça fonctionne. Je l'apprendrai comme toi tu l'as appris quand t'as joué à ton premier Souls. Dire c'est pas question, voilà, c'est du backseat en fait. Pourquoi je veux justifier le fait que j'en veuille pas? C'est bizarre. Est-ce que je peux descendre, enfin surtout est-ce que je peux remonter? Des gens qui n'ont jamais joué à un set Dark Souls. Tout à fait. Dimuka, même si j'ai fait 3 heures du premier Dark Souls, mais vu ce que j'ai fait dans ces 3 heures, je n'y connais rien. Que penses-tu du jeu globalement? Eh ben franchement j'aime beaucoup. Allez, j'y vais et puis tant pis. Que sera, sera. Oui, du coup je disais j'aime beaucoup. Alors que pourtant, bah voilà, c'est pas spécialement le type de jeu qui m'intéresse, mais le côté open world et la vraie impression de progression pour le moment me plaisent beaucoup. Après là, le côté open world, on s'en rend pas des masses compte. Parce que bah, je suis pas dans le côté open du world. Là là, je vais tellement le regretter si je descends, mais je vais tellement quand même y aller. Elle est comment ma vie? Elle est ok. Oh putain! Je te défonce! Ah bon, je m'en doutais que c'est un PNJ. Nice to meet you. Ravi de faire votre connaissance. Le plaisir est pour moi. Je m'appelle Rogier, mais je sais, Rogier! Comme vous l'aurez peut-être deviné, je suis un sorcier. Ah bon? Enfin, on dirait plus un ménestrel. Pour être honnête, je suis plus clair de mon temps sur les soldats. Mais assez, parlez-moi. Qu'est-ce qui vous amène dans le château de je sais plus quoi, j'ai pas le temps de lire. Donc, c'est pas un lieu recommandé pour les sans éclat. Il nous traque et nous sacrifie, vous savez. Vous êtes ici, c'est que vous avez une dédère à la tête. Explorer ici pour défaire Godric. Je peux pas répondre. Oh, je vais faire un homme sérieux, je ne dirai pas. Pourquoi se fier à un parfait étranger? Oh, mais tiens, on se connaît un peu, je t'ai sacrifié tellement de fois déjà. Oh, il se passe un truc. Mon jeu a crash? Non, d'accord. Ok, ça, elle tape tout seul. Ça me fait peur. J'ai peur. Ça va. 1h25 de VOD, il va falloir que j'arrête. Non! Ça le tape tout seul?
Rien du tout, je suis à la manette. Bonsoir, Wolf. Y'a avec moi, mon copain? Oh, something, or are you just trying to pass the time? I'm curious how you ended up. I see. Here to challenge Godric. Venez des figurines, dans l'espoir de vous emparer d'une moyenne majeure, n'est-ce pas? You can see it, then. Imagine donc que vous la voyez, non? La grâce. Well, franchement, vu ce que j'aperçois. I'm tarnished, like you. On s'éclate comme vous. Oui, ben j'ai compris, t'as dit qu'il nous traquait. I've seen neither hide nor hair of this guidance for the longest time. Eh ben, durée, j'oublierai jamais ce que j'ai ressenti en arrivant ici dans l'autre terre. Je connais quelques armes magiques. Le combat des erreurs. Ah, mais oui, voilà, apprends-moi des trucs. Apprendre des compétences, mais bien sûr, enfin. Oh punaise, ça coûte. C'est quoi, c'est des âmes? Oh, mais j'ai tout perdu, mec. Je peux pas vendre des trucs pour avoir des armes. Moi, j'ai des trucs nuls. T'as une définition du spell différente. On est ou pas? Moi, ça n'en était pas, désolé. Non, c'est pas grave, mais si, ça en était clairement. C'est surtout que bah, les gens qui ont une autre définition, bah, c'est qu'ils savent pas ce que c'est un spoil. Et surtout, c'est surtout peut-être qu'ils tolèrent. Et je comprends dans certains trucs, dans certains jeux, pour certaines personnes, le spoil est complètement autorisé. Je comprends, hein. Mais là, moi, je connais pas le jeu, j'ai envie de découvrir, quoi. Une très mystérieuse. Tout à fait. Mistrelle. Il y a une personne qui t'a pas demandé. Oui, c'est mieux. Au moins, on est sûr. Et du coup, c'est sur Elden Ring. T'es déjà morte beaucoup de fois? Je sais pas ce que c'est beaucoup de fois. Pour Elden Ring. Donc je vais dire que oui. Désolé pour les alt-tabs, c'est moi qui ai hacké ton PC. Après, je te ferai regarder My Little Pony en allemand. Je m'en fous, j'ai déjà vu le film My Little Pony. Ouais, le terme, bah voilà. Effectivement, on apprend tous les jours. Mais non, mais t'inquiète pas, hein, Rio. Pas bien. J'ai bien vu que c'était pas volontaire. Enfin, que tu pensais pas à balle. T'as fait quoi comme personnage? J'ai fait astrologue. Voilà. Mais pas de soucis. Il est très doux, Rio. Par contre, je peux pas prendre de compétences et je peux pas vendre. Je peux pas vendre, hein. Non, il veut m'enseigner des compétences. Il va pas m'acheter des bibelots que j'ai tout ramassé par terre. J'ai ramassé des cailloux, mec. Je veux pas des cailloux. Quel type de personnage? Ça, c'est un mage. Un mage très classique dans son style, c'est-à-dire que j'ai un bâton de mage et je fais de la magie. Et j'ai bien fait. J'ai plus de mana et tant mieux parce que j'allais gâcher un peu de ma mana pour te faire une démo. Sauf que bah, c'est un peu précieux encore, donc je vais peut-être éviter. Ah là là! En plus, il me faut un point de hip-hop. Eh bien, le film My Little Pony, il était fantastique, mec! Franchement, c'était un soir. J'étais... Je crois que c'est quand j'étais malade et ultra fatiguée. J'avais pas quoi mettre. Je voulais mettre un truc où je pourrais même ne pas regarder et ne même pas y penser. Bah, j'ai mis My Little Pony. J'ai raté mon coup. C'était génial. Enfin, je connais pas mon petit poney dans les dessins animés et tout ça. J'en ai eu un en jouet quand j'étais petite. Une petite licorne. Je l'aimais bien. Mais voilà. C'est tout. Du coup, je connais pas le lore. Et j'ai découvert qu'il y avait un sacré lore. Oh, franchement, sous-estimé, My Little Pony. J'attends le multiverse avec impatience. Est-ce que je tente un truc? Non, mais j'ai peur, là. Attends. On va attendre un peu. J'ai affronté des boss. Ouais, j'en ai déjà affronté plusieurs et j'ai tous battu pour le moment. Et j'ai déjà fait même un petit donjon. Avant celui-là. Et j'ai fait un gros boss. J'ai fait des plus petits boss et j'ai fait une sorte de gros troll. Je sais pas, gros truc bizarre là. Ah, franchement, hein. Crossover avec les bisounours. Mais pareil, les bisounours, j'ai jamais vu les bisounours. Je connaissais le nom. Parce que bah, l'expression, ouais.
être faire comme un bisounours, machin, on est au monde, dans le monde des bisounours. Mais je sais pas sur quoi ça passait ces trucs là parce que j'ai pas vu. Ah ! Arrête, ça va ça ! Non mais devise-moi de plus loin, je veux dire. Alors je vais partir maintenant. Essayez de partir. Des bisous. Mais oui, il y a un lord. Alors, dans Mon Petit Poney, il faut savoir qu'il y a en fait plusieurs espèces de poney, plusieurs races de poney. Il y a les poneys classiques, il y a les poneys pégases et il y a les poneys licornes. Et genre, les licornes, ils ont des pouvoirs, les pégases, ils savent voler, et les classiques, ils sont juste. C'est les humains normaux, voilà. C'est vanilla, quoi. Sans intérêt. Et en fait, et ben ils ont tous ultra peur les uns des autres parce que il y a des légendes qui ont été faites après une séparation machin et du coup il y a des légendes comme quoi les licornes en fait c'est des grosses cannibales de fou qui bouffent les poneys, que les pégases pareil et tout, et du coup ils ont tous peur les uns des autres. Et en fait on apprend à la fin que pour tous retrouver leur pouvoir, parce qu'en fait ils avaient plus de pouvoir en s'étant séparés, quand les peuples se sont séparés, bah, ils ont perdu chacun leur pouvoir. En vrai, c'est surtout les licornes et les pégases qui ont perdu leur pouvoir, parce qu'un poney normal, de base, c'est un poney. Niveau pouvoir, on est sur celui d'un ruminant, quoi. Et du coup, et ben, à la fin, on apprend... Ah, je vais peut-être pas vous spoil. Attention, je vais spoil. Attention, je dis. À la fin, on apprend que... Attention, je vais spoil. Que eh ben, les poneys, pour récupérer leur pouvoir, il faut qu'ils soient ensemble, réunis en un peuple réuni. Et là, ils retrouvent leur pouvoir, sauf encore une fois les poneys vanilla qui se retrouvent à effectivement être assez faibles si une guerre se déclare, parce que c'est les seuls qui n'en avaient pas de base. Donc ils avaient peut-être raison de flipper un max en fait. Voilà. C'est un petit poney. Franchement, hein. Et en vrai, il y a des gens qui ont trouvé ça. Ils ont réussi à trouver le message limite. En mode, ouais, c'est un message de gaucho. Vous voulez pousser nos enfants à être genre tolérants. Alors que bon, c'est le mal, la tolérance. Ça m'énerve. Il m'énerve ce piaf. J'ai failli giga die et j'ai cru que j'étais complètement die. Voilà, désolé, fin du spoil. Ça marche, Grisou. Des zoubis. Enfin, à tout de suite en... Bah, tu restes là, mais voilà, tu fais des trucs à côté. J'ai enlevé le casque. Remets ton casque, c'est bon. Mais voilà, c'était l'heure de Mon Petit Poney, quoi. Enfin, du film d'animation qui est sorti, je sais pas quand, je sais plus où et je sais plus pourquoi, mais un film en tout cas, d'animation. Maté la série, moi, je pense. Est-ce que du coup, il va m'accompagner, lui? Il faut que je lui reparle? Comment ça se passe? Concentré là, c'est Mon Petit Poney, ça m'a trop perturbé. C'est la vague de Sauron, faut les unifier. Un poney pour les gouverner tous et dans les ténèbres les lier. Marie de Pony. Bon, il est où, Javier, là? Pas le bon nom. Oh, hello there. Stopping by to learn. Ah oui, non, j'avais oublié. Mais j'ai encore moins de trucs. Comment il s'appelait? C'était ça? Comment il s'appelait dans...
dans le jeu. Le ménestrel dans... Dans The Witcher, punaise. J'ai aucune... Rien. Salut Yoga Stevie. Bonne nuit à toi. T'es devenu un peu si sympa. Bonne continuation. Non mais c'est genre pas d'être passé d'avoir parlé un peu. M'en reçu beaucoup. Région d'y être en l'heure, non? Oui, effectivement. Jasquier, c'est Jasquier. Aide-moi, Jasquier! Aide-moi! Aide-moi! Jasquier! Ok. Il m'en reste plus qu'un. Non! J'avais qu'à deux coups à lui mettre et c'est lui que je commence à. Mon truc là. Alors, oh mais il est déjà trop tard. Non, pas trop tard, je dois pas couper, mais il est... On passe trop vite, quoi. La question est, pourquoi les poneys lambda voudraient se rallier avec des cornus et les aider et leur rendre leur pouvoir alors que eux n'en ont pas? C'est ouf, mais oui, c'est ça. Bon, re-spoil, hein, déjà. Non, mais eux, c'est ceux qui avaient le plus de raisons d'avoir peur. Alors, en soi, ils ont eu peur parce que... Attention, on va re-spoil. Parce que... Mais j'avais pas besoin de les tuer. Si ? Attends. On a fait quoi ? Parce que le chemin est trop long. Ah oui, c'est bon. Ils avaient peur parce qu'il y avait des légendes, tout ça, mais en soi, effectivement, c'est plus logique. Après. Après, en soi, c'est intéressant d'être quand même allié avec des puissants. Mais effectivement, pourquoi leur rendre en pouvoir si on n'est pas sûr à 100% que tout se passera bien ? Complètement, hein, mais c'est complètement ceux qui ont le plus à perdre. En soi, les plus puissants, c'est Icarne. J'ai toujours dit, moi. Voilà la fin du spoil. La grid, mais oui, la grid danse. La grid danse, là. Qui c'est qui grid comme ça? Faut arrêter, hein. N'importe quoi. On a prêt à jouer ou pas, là? Oh là là, il y a un trou. Je vais dans le trou. Vais-je dans le trou? I'm going to do true. Comme on dit aux États-Unis, on dit un true. Non, mais c'est avec les gouffres. Every wall or my enemy. Bon! Allez! 942. En même temps, qu'est-ce que je me fais chier à récupérer ça? Franchement. Comment je fais maintenant? Ouais, vas-y, fais un petit détour, moi ça me va. Puis je m'en occupe. Hop, ça c'est fait. He's ok. IKT, he's ok. Après je fais ça. Il est perturbé, il sait plus quoi faire. C'est la fin! C'est tout! Oh ouais, un casque! Oui! J'ai pas de casque, moi j'ai qu'une capuche. Cette carte est trop zoomée là. N'importe quoi. Et voilà. Prends. Bon, vitalité, j'avoue, c'était bien comme bonus. Mais le reste est quand même très intéressant. Voilà. Tout va bien. Je suis mage. Je suis mage. Je pars là du coup. Bon, est-ce que je peux avoir un truc? Des runes, non. Mais il m'en faut!
Oh mais j'ai trop peur. Toi t'es pas mort toi. Je savais pas. Ok. Je pensais pas que t'étais ce que t'étais. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Oh là là ! Pardon, c'est trop aigu, désolé. Qu'est-ce que c'est ça ? On dirait un gros crabe. Un gros crabe à moitié... À moitié tic un peu. Un gros crabe tic. Je peux te faire un genou. Un crit ? Un cratique. Un trib. Trouve un moyen de pas mourir déjà et ensuite on va faire ça. Faisons pas les fifous. Au choix, moins de pas mourir et ensuite de tuer les autres. J'ai résumé le jeu. Perso, t'as la mode, tout à fait, parce que c'est plus simple pour les débutants, pour ceux qui veulent juste pas souffrir en total permanent. Vas-y, tire-toi, je m'en fous. Ah ! J'ai connu, je m'en fous pas. Et j'y peux pas. Les hommes crabes, ils ont le goût du crabe. Parle comme les hommes, juste le sang comme des tiques. Les hommes crabes. JPP. Est-ce que je peux ne pas... Non, bah non, je peux pas, hein. Ils vont m'emmerder, sinon c'est petit con. Oh non, il m'a touché avant, quoi. Merde. Les hommes crabes. Bonne soirée, Wolf. Wolf, Cabby. Baby. En vrai, j'ai pas besoin de prendre l'échelle, hein. Ouais. Je peux courir et pas me les faire, eux. Bon, on a marre. Attendez, je vais voir si ça me fait mal. Oh, il y a une échelle pourrie. Ni rien du tout, quoi. Je sais pas. Super. Ah, il y a pas de porte. Une porte. J'en ai marre, je sais pas par où aller. Bon, trop de temps cette VOD. On l'avait vaincu en tout cas. Je vais lancer notre VOD tout de suite, à tout.